parfois très fleurie et dans des circonstances particulières, vous êtes passé parmi l'émotion. Oui, exactement. Exactement, ça a été une semaine très difficile parce que on a perdu un frère de la famille Somme. Ça a été quelque chose de terrible. Et il fallait se mobiliser parce qu'il y avait un match important et on tenait à lui dédier cette victoire et souhaiter bon courage et, à toute sa famille, à sa femme et sa fille. Ça rendait cette victoire d'autant plus importante ce soir? Oui, c'est ce qui était. On s'est dit qu'il fallait gagner pour lui. Et puis, ça a été un match où il y a eu énormément de combats, ça n'a pas été difficile. Soyou n'a rien lâché jusqu'à la fin. Et je trouve que ça représente bien le mental et l'état d'esprit qu'avait Julien. C'était un combattant et un grand guerrier. Donc, on est content d'avoir gagné. Et content que le public ait joué le jeu aussi. Il y avait une ambiance incroyable. Il y a eu du soutien du début jusqu'à la fin. On peut dire que la saison est réussie. Cette première du son entre les deux, donc c'est une grosse satisfaction, malgré la douleur. Est-ce que vous avez tremblé en fin de match quand le SA15 revient à 8 points? Pas tremblé, mais c'est vrai que ça a été difficile. Je crois qu'on a payé un peu toute l'émotion qu'on a lâchée durant la semaine, et voilà, ça a été très compliqué. Mais finalement, la victoire est là, donc tant mieux. Vous avez craint que ça vous échappe même à un moment J'ai pas ressenti ça, même s'il y a eu beaucoup d'enthousiasme du côté de Soyo. J'ai pas ressenti ça, on fait des fois des plaquages, je crois, et donc ça se sanctionne immédiatement. Mais non, j'ai pas eu spécialement peur. Et qu'est-ce qui a fait, donc, tu parles de faute de plaquage, et qu'est-ce qui a fait d'autre que ce match à un moment vous a échappé, vous teniez tout bien en début de l'année? Je crois que le remplaçant a été meilleur que l'autre à un moment. Ils ont fait une bonne rentrée, puis nous on a été un peu moins bien. Il y a eu beaucoup de changements. Et puis il y a certainement un peu de fatigue, un peu de stress, beaucoup d'émotions. Ça a été un match très compliqué à jouer. Très très compliqué. Il en reste plus clair maintenant à l'extérieur, c'est terminé pour la saison de février. Ouais. Quand vous envisagez le dernier match, il y a beaucoup d'enjeux, puisque cette fois la phase finale c'est terminé. Oui, en effet, on jouera à Béziers. Comme on a toujours joué, on se battra, on donnera le maximum jusqu'au bout. Il est important de bien finir parce que, comme je le disais, Houston, c'est le club du présent, mais c'est aussi le club du futur. Il est important de laisser une bonne image et de donner une bonne image pour la suite et de bien terminer. Et puis, de représenter ses couleurs jusqu'au bout.